Marie-Rose Moreau est psychiatre pour enfants et adolescents. Dans sa consultation, elle reçoit des familles d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient et d'ailleurs. Elle m'a accueillie pendant plusieurs mois. Les patients trouvent ici ce qu'aucune thérapie ne leur propose ailleurs. Ils peuvent expliquer ce qui leur arrive, sans se couper de leurs coutumes, de leurs croyances et de leur culture. Ils viennent environ toutes les 8 semaines, à raison de 2 heures par séance. Comme dans les sociétés traditionnelles, où la maladie est soignée collectivement, le travail se fait avec un groupe de thérapeutes. Ici, les mots voyage, exil, métissage sont dans tous les esprits. Marie-Rose Moreau s'est entourée d'une dizaine de psychologues et psychiatres originaires de divers pays. Togo, Maroc, Côte d'Ivoire, Kabylie, Irak, Allemagne, etc. En les regardant travailler, je découvre qu'ils nourrissent les séances de leur imaginaire et de leur histoire. Dans l'émergence de toutes ces images, les patients trouvent une voie d'accès vers eux-mêmes. On appelle cette thérapie l'ethnopsychanalyse ou encore thérapie transculturelle. Le récit et l'interprétation des rêves y tiennent une grande place pour s'approcher des secrets inconscients. Il y a quelque chose qui te fait peur. C'est tous ces gens ainsi qui te font peur. Hein? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de à côté de tu te mets à côté de maman? Là, c'est ma place. Tu veux absolument ma place. Hein? Tu veux absolument ma place. Hop là. Où elle est, Félicia? Alors attends, on va voir ceux que tu connais, ceux que tu connais pas. Il y a quelque chose qui l'a inquiété, la lumière peut-être aussi. Alors, je vais vous représenter ce que Siaka aussi va regarder. Il y a Tahar, que tu connais pas, Absatou. Donc Tahar qui est psychologue, Absatou. Si, si, ça y est. Isabelle, alors Isabelle, je la connais bien. Hein? Ouais. Bactienne, qui est psychologue, Léocadie également, Améziane, que vous connaissez. Alors ceux qui filment, que vous connaissez, Laurence aussi, Dieudonné, Marcelin qui est à côté de Félicia, Farida qui vient d'arriver et Issam. Voilà. Ce jour-là, c'est Siaka, sa maman et son grand frère Abdoulaye qui ont rendez-vous. Siaka est un petit garçon qui crie tout le temps et refuse de parler. Siaka est le seul enfant de la famille à être né en France. Sa maman dit que c'est une énigme pour elle d'avoir à élever cet enfant-là, ce petit Français. Donnez-moi des nouvelles de comment va Siaka, parce que là, il est un petit peu inquiet, là, c'est sûr. Et comment il va? Comment ça se passe à la maison? Comment ça se passe? Mais tout le temps il crie. Ça n'a pas changé. Il a toujours ses petits cris? À la maison, au supermarché, partout. Ouais, donc les cris sont là et ils vous inquiètent. Parce que tout le temps les gens frappent à ma porte pour me demander pourquoi mon fils crie comme ça. Je leur dis, mais je ne fais rien. Un jour, il a crié devant un voisin, comme ça. Ce jour-là, à lui, il a compris. Parce que les gens croient que je fais du mal à mon fils, que c'est pour cela qu'il crie. Alors qu'on ne fait rien, il crie. Quand on est tous les deux, il ne crie pas. Il ne fait rien. Mais quand quelqu'un vient, il commence à crier. Quand vous êtes tous les deux tout seuls, il ne crie jamais. Donc c'est bien des cris qui expriment quelque chose, qui disent quelque chose, hein? Qui disent aussi la difficulté de se séparer de vous. Quand vous êtes tous les deux ensemble,
Il n'a pas besoin de crier. Est-ce que vous avez fait des rêves? Oui, vous pouvez m'en raconter un? J'ai rêvé de mes deux sœurs. Elles étaient ici et elles m'ont dit, il faut faire venir une autre sœur ici. Alors je leur ai dit, maintenant vous, vous êtes là, vous êtes debout. Pourquoi vous voulez amener une sœur en plus? Elle va être debout aussi. Et le rêve s'est terminé comment? Je me suis réveillée parce qu'à ce moment, la montre a sonné. C'était l'heure de s'arrêter. Et donc, et vous avez pensé quoi? Vous l'avez lu comment, votre rêve? Je ne l'ai pas lu. Celui-là, vous l'avez laissé comme ça sans le lire? Parce que je ne sais pas ce qu'il veut dire. Il y a une idée très importante dans le rêve, c'est debout, assis. Ceux qui sont debout et ceux qui sont assis. Je voulais dire debout parce que nous, on est là. On n'a pas grand-chose. Alors pourquoi amener quelqu'un pour le mettre dans le même pétrin? Debout, ça veut dire ça. Chez nous, on dit comme ça. Ah oui, je comprends bien. Je trouve que c'est une image très, très importante. Ça veut dire aussi que c'est pas facile d'être ici. Hein? C'est ça que ça veut dire? Oui. Que vous n'êtes toujours pas encore assis. Non, je suis toujours debout. C'est une belle image. Est-ce que Félicia, est-ce que ce rêve t'évoque quelque chose? Oui, j'ai pensé à cette relation avec les gens du pays. Et comme il y a toujours cette idée de partir au pays, de revenir, de faire venir les gens, de réunir les personnes en quelque sorte. Mais si on se réunit, on s'assoit ensemble. Et de rester debout ensemble, c'est comme si ce n'était pas possible. Et ce rêve m'a fait penser à un dessin qu'Abdoulaye avait fait une fois, d'une maison qui flottait en quelque sorte au-dessus du sol. Et c'est comme si la maison n'était pas plantée et comme on ne pouvait pas encore s'asseoir. C'est à ça que j'ai pensé. Tu te souviens, Doulaï, de ton dessin de la maison? Parce que tu as vu, Félicia, ce qu'elle dit, c'est que dans ton dessin, c'est un peu comme dans le rêve de maman. La maison, elle n'est pas plantée. Qu'est-ce que vous en pensez de la lecture de Félicia, madame? Je crois que ce qu'elle dit, c'est vrai. Sinon, j'aimerais être avec une sœur ici. Parce que je me sens seule aussi. Ah, voilà. Voilà Siaka qui se manifeste. Un grand. C'est vrai? Tu le regardes, un grand. C'est un sage. Tu regardes ça, maman? Tu le vois? Tu as vu comme il est grand? Puis il a encore grandi cet été. Là, c'est de la tristesse qu'il montre. Parce qu'on a parlé des cris de frayeur, de colère. Mais là, c'est de la tristesse qu'il montre. Hein? Ceci dit, on est en train de parler de votre tristesse à vous. Hein? De la tristesse et de la solitude, de ne pas être défendu, d'être debout. Mais quand la maman n'est pas heureuse, les enfants ne peuvent pas l'être non plus. Elle le dit, quoi. Là, il nous le dit. Il va d'un bras à l'autre.
n'arrive pas à s'asseoir. Non, il n'arrive pas à s'asseoir, c'est le cas aujourd'hui. Comme la maman dans le rêve. C'est un petit père pour toi, Abdoulaye. Hein? Et Tahar, qu'est-ce que tu dis, toi? Le rêve, là où madame était debout, etc., était fatiguée d'être debout, ce qu'on dit chez nous, c'est quand on est perdu, il faut s'asseoir. Mais pour s'asseoir, il faut d'abord ne pas être perdu. Ce qui est tout à fait compliqué. C'est-à-dire, quand on est désorienté, il faut s'asseoir pour choisir le chemin. Et je pense que Sissaka le montre bien à sa mère. Il dit... j'arrive pas à m'asseoir tant que toi n'es pas assise à présent. Donc je pense que cette tristesse dont on parlait tout à l'heure, c'est la tristesse de la fatigue de la maman. Vous avez entendu ce que disait Tahar, il n'arrive pas à s'asseoir, Siaka, aujourd'hui. Il n'arrive pas à s'apaiser, hein, à s'asseoir avec nous. Marcelin, tu n'as pas une image ou une histoire qui te vient en tête pour qu'on donne quelque chose à Siaka? Qui s'est posé? Oh oui, j'étais entendu. Je pensais à. Pendant que Siaka faisait les. Il passait d'un genou à l'autre sans pouvoir s'y poser. De 2-3 minutes, ça m'a fait me souvenir de la manière dont on procède au baptême chez moi. On sort l'enfant de la maison avec la mère et on réunit toute la famille et on lui donne un nom. Et en plus du nom, il faut lui trouver un parrain. Mais le parrain n'est pas su d'avance. Et celui qui procède à la nomination, il prend l'enfant et il passe de main en main comme ça. Et finalement, on pose l'enfant sur le genou qui était prédestiné pour parler. Et je me dis que Siaka n'a pas de parrain, celui qui se pose. N'empêche que ce qui est vrai, c'est que Siaka... Pendant tout le début de la séance, il a cherché quelque chose qui le rassure à l'intérieur de lui. Il a cherché sur plein d'endroits différents. Puis il a trouvé, finalement. On peut s'arrêter, Siaka. On peut s'arrêter pour aujourd'hui. Mais ça, il est courageux ce que j'étais en train de dire à madame. Il est courageux, Siaka, parce qu'il montre des choses que d'habitude les autres enfants ne montrent pas. Il dit quelque chose. Oui, il a dit quelque chose. Ouais. Entre deux mondes, il est difficile de choisir. Quelquefois, les traumatismes sont si forts que les mots ont du mal à se tracer un chemin. Madame Sabag et ses deux fils, Maxime et Mazen, ont quitté le Liban à la suite de la guerre. Peu de temps avant la séance, Maxime a revu son père. Il revient avec sa mère d'un voyage au pays. Issam Idriss, thérapeute soudanais de Khartoum, leur sert d'interprète. Pendant la séance, je suis touchée par leur tentative pour sortir de la confusion dans laquelle ils sont plongés depuis des années à cause de la guerre. Madame dit que Maxime a été arraché. Quel est le mot arabe qu'elle a dit? Mtaza. Ça veut dire Mtaza, c'est
comme on arrache un arbre. Comme on arrache un arbre. Il a utilisé le mot qui va avec les racines, Yazar, du zoo. C'est vraiment déplanté. Vous entendez, Maxime, ce que dit votre mère sur pourquoi c'était important que vous y alliez ensemble au Liban cet été? Et est-ce que vous êtes d'accord quand elle dit que vous avez été comme ça déraciné? Ouais. Bon, ça passe bien, ça a un peu des racines comme ça. Troisième jour, on passe à la montagne, après à la Chinova, mon père. En série? C'est un passion. En série? Ouais. Mmh. Et depuis de temps en temps, c'est un passé avec mon père. C'est... On a deux ans, trois ans, je ne suis pas plus vu. Et... beaucoup heureux quand on. Vous étiez très heureux de le voir. Ouais. Mmh. Alors, je me demandais aussi, et ça je voudrais qu'on le dise en arabe, Issam, pour Maxime Mazen et sa maman. Je me demandais si la tension actuelle qu'il y a dans le monde, et en particulier après New York et puis autour de Kaboul maintenant, peut-être que ces événements-là ont fait repenser à des images ou à des choses qu'eux-mêmes ont vécues pendant leur propre guerre à eux. Effectivement, c'est peut-être aussi quelque chose qui a mobilisé beaucoup plus des choses en Maxime, parce qu'il en a parlé avec son médecin en lui disant, quand j'ai vu les images de New York, j'ai eu peur. Et elle dit aussi, ça peut-être aussi ce sentiment de peur qui a peut-être réactivé en lui des choses. Et cette peur, quand il s'adresse à moi, ça se transforme en colère et en violence contre sa mère. Maxime, lui arrive des moments d'hallucination. Et pendant ces moments d'hallucination, soit qu'il casse tout, soit qu'il frappe. Il frappe moi. Et donc, elle pose la question, elle fait l'articulation que c'était la même chose que faisait son père lorsque eux, ils étaient petits. La question qu'elle se pose, est-ce que c'était une sorte d'héritage des traits de caractère d'un père, ou est-ce que c'est quelque chose qui est dû à ce déchirement justement familial, intérieur, utilisément d'intérieur, et qui a été plus ou moins amplifié par le déchirement extérieur à l'époque de la guerre. Je reprends les réponses, si vous voulez, qu'on avait fait tous ensemble la dernière fois. Les histoires génétiques, ça ne peut pas expliquer ça. Les deux autres choses, oui. C'est deux choses qui existent. C'est vrai que Maxime a souffert d'un certain nombre de choses. À certains moments, lui-même, lorsqu'il souffre, il fait souffrir comme il a souffert. Ça, on l'avait déjà dit beaucoup et on avait beaucoup parlé de son père. Et Maxime parlait bien, bien de son père et de la manière qu'il avait d'essayer de retrouver son père, même dans les mauvaises choses. Il nous l'avait bien expliqué, ça. Et puis l'autre chose, on avait dit comment la guerre, elle était aussi à l'intérieur de vous et à l'intérieur de la famille. Et les traces que ça a laissées à l'intérieur de chacun d'entre vous et de la famille. Parce que vraiment, on a traversé très peu difficile. Et ouais. La guerre à l'intérieur est plus grave que la guerre à l'extérieur. La guerre à l'intérieur, c'est plus grave que la guerre à l'extérieur. Voilà, avec l'ambiance des familles, avec le père. Il était tellement grave, beaucoup grave. Évidemment, madame le disait bien, chaque garçon est marqué par d'où il vient, par son père. Et de plus en plus, les choses semblent s'éclaircir pour Maxime. Les sentiments, il exprime, il peut dire qu'il est jaloux, qu'il est triste, qu'il est malheureux, qu'il a peur. Hein, alors qu'avant, tout était confus, il ne pouvait pas trier ses émotions. Et je me disais que Mazen aussi, comme ça, il y avait des choses qu'il avait reçu de son père. Alors, il y a deux choses. On va déjà demander à Mazen ce que vous pensez, Mazen, de ce qu'a dit Isabelle. Sur, d'abord, déjà, on a parlé tout à l'heure de l'arrachement pour Maxime. Mais vous aussi, vous avez été arraché.
Arraché, c'est-à-dire. Arraché. Ben, c'est-à-dire que vous avez dû quitter tout ce qui était votre monde là-bas, vous avez dû le quitter rapidement. Pas d'idée. Mais vous avez pas ce. Non, j'ai pas d'idée. Vous avez pas cette sensation comme Maxime d'arrachement. C'est ça? Vous rappelez du moment où vous l'avez quitté, le Liban? Je sais pas. Je l'ai quitté vers. Il n'y a rien là-bas, ça ne voyait rien là-bas, là c'est mieux. Oui. Ici, c'est mieux. Ah bah ça, c'est, ouais. c'est vous qui savez où vous êtes le mieux. Mais le moment où vous avez quitté là-bas, la famille, les amis, la vie de là-bas. Et ça, vous ne vous rappelez pas du tout de ce moment-là. Vous vous en rappelez pas? Non. C'est étonnant ça, non? Quel âge il avait, madame? 16 ans quand vous êtes revenue. Oui, forcément. 15 ans, 14 ans comme ça. Vous étiez déjà adolescent. Oh. Mais il en reste pas d'image, en fait. Hein, Mazen? Il vous reste pas d'image de cette période? Non. Pas d'image. Ses amis de l'école, de quartier. Non. Peut-être il reste pas d'image, peut-être c'est trop difficile d'en parler. Oui. Hein, Mazen, peut-être c'est trop difficile d'en parler aussi. Hein. Et alors l'autre chose que disait Isabelle, c'était que ce que vous avez pris de votre père, Mazen, parce que vous aussi vous avez pris des choses de lui. Oui. On va s'arrêter là. Oui. Essayez de retenir les rêves, les images, oui, qui vont venir. Parce que je pense qu'à ce moment précis-là, oui, on en aurait besoin. Hein? D'accord. On s'arrête? D'accord. Hein? Oui. Ok. Merci. D'accord. Bon, Isabelle, tu veux bien donner un rendez-vous? Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bien travail. Au revoir. Essaye de te souvenir des images de quand tu as quitté le Liban. Hein? Ah, madame, à bientôt. Oui, à bientôt. Où sont passés les mots? Comment délivrer ces images restées emprisonnées dans le pays perdu? Oui, je pense. Oui. Je vais y aller. Allez. Bon, oui, il est comme dans un jeu, comme vous dites. Il fait un bout de chemin. Monsieur, il arrive jusque-là. Quand il arrive là, il fait comme s'il avait oublié quelque chose. Il retourne. Et on a fait comme ça plusieurs chemins, plusieurs fois l'aller-retour. Et il hésitait entre rentrer et rester là-bas, avec les autres enfants. Bon, alors on va peut-être attendre que madame revienne. Oui. Ah, voilà. Lydie. Allez, viens voir le grand Issam. Regarde. Je reviens avec toi. Voilà. Lydie. Viens, ma connando. Tu veux ça, Argaï? Viens, Idrissa, que je te représente à Absatou. Regarde. Viens là, viens. C'est où?
Vous avez vu comme il a grandi, monsieur, votre fils. Ouais. Hein, ah, c'est impressionnant. Il vous arrive là. Ouais. Oh, bientôt, il est passé ici. Bientôt, il va dépasser les épaules. Alors Arthur. Pourtant, vous êtes grand, vous, monsieur. Hein? Ouais. C'est ma mère. Votre mère est grande. Elle est plus grande que vous. Les parents d'Idrissa sont très fatigués. À la maison, la vie est insupportable. Idrissa casse tout, il vide les armoires, déchire les livres. Ce jour-là, le père revenait d'un séjour au Sénégal, où il avait consulté des guérisseurs pour son fils. En France, on dit qu'Idrissa est autiste. Pour ses parents, la consultation est le seul lieu où peuvent se dire en toute liberté les façons traditionnelles de vivre la maladie. Les histoires de sorcellerie, de mauvais œil, de possession, tellement étranges à mes oreilles, finissent pourtant par rejoindre des émotions qui me sont familières, des sentiments qui nous relient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Afrique? Comment ça s'est passé? On a une tour du bug d'année, de verre, de poule, de kursa. Alors, ils ont fait des sacrifices de moutons, des sacrifices de lait, ils ont acheté des tissus blancs, des pagnes blancs pour faire des sacrifices. Tu dois faire du lait et que tout a été fait. Mais ça, on ne peut pas savoir si tout a été fait. On vient de voir Andoulé et Sofofo Adam. Oui, pour quand on va voir Andoulé et Sofofo Adam? Si, madame. Tout, madame. Pour Safar Afrique. D'accord. Alors, monsieur, il dit que tout ce qui pouvait être pensé, être fait en médicaments africains, tout a été fait, rien n'a changé pour être ça. Mais ça doit être la volonté de Dieu. Donc là, c'est la volonté de Dieu qu'il dit maintenant. Hein? Tout à l'heure, au début, c'était la notion de chance, c'est ça? Chance. Et là, il dit Taga Fodor et Allah, ça veut dire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on lui a dit exactement là cette fois-ci? D'abord, qui l'a été voir? Qui l'a été voir au pays? Alors, monsieur, il a commencé par dire qu'il a été voir beaucoup de monde depuis que Idrissa a 2 ans. De toute façon, ils ont été voir même des personnes chez lesquelles on amène les fous. Il suffit qu'il les touche ou qu'il fasse quelque chose pour que les personnes se calment. Mais Idrissa, il a même été jusqu'au Boundou, c'est une région du Sénégal, et qu'il a reçu des lavements, des fumigations, et ça ne change rien. Alors, il dit que Idrissa, en fait, lui, il n'est pas docteur. Il n'a pas appris tout ce qui concerne la médecine. Mais ce qu'il entendait des anciens de chez nous, c'est que quelqu'un qui ne parle pas et qui ne parle pas et qui n'entend pas, c'est ce qu'on appelle un mumu chez nous, c'est-à-dire quelqu'un qui est muet. Et il y a les autres, hangabe, c'est ceux qui sont fous et qui ne savent pas ce qu'ils font. Mais le problème d'Idrissa, c'est ce qui se trouve ni d'un côté ni de l'autre, il se trouve entre les deux. Et c'est ça qu'il ne comprend pas. Kodjakim, ça veut dire c'est ça que monsieur ne comprend pas. Là, ce que nous dit monsieur aujourd'hui par rapport à ça, c'est qu'Idrissa, il est entre plusieurs mondes, entre plusieurs il est ni de l'un ni de l'autre, et c'est ça qui fait la difficulté aussi, et qui parfois fait le découragement, le désespoir. Hein. Ceci dit, hein, Idrissa, il parle, il se fait comprendre, et il nous montre des choses à chaque fois. Par exemple, là, il est en train de montrer qu'il écoute. Qu'il écoute nos échanges, qu'il écoute. Moi, je crois qu'il écoute aussi ce que son père a ramené d'Afrique. Il écoute. Là, la dernière fois, son père n'était pas là. Il lui était ailleurs aussi. Hein. Là, aujourd'hui, il a hésité, il a regardé, il s'est installé, il écoute. Et non seulement il comprend, il écoute,
mais il a aussi une manière de se faire comprendre qui est différente de, que celle du langage direct. Mais il a une vraie manière, Idrissa. Et moi, ça, aujourd'hui, ça me frappe beaucoup, ça. Alors, monsieur, il dit que pour ce qui concerne Idrissa, il n'a pas quelque chose qu'on pourrait couper et enlever de lui. C'est à l'intérieur de lui, c'est dans sa tête. Il dit que Dieu, c'est Dieu qui l'a fait comme ça. Il est venu comme ça. Mais il sait aussi que Dieu vous a donné à vous, les Blancs, le savoir pour ce qui concerne toutes les maladies et comment les soigner. Pour le soigner de notre côté à nous, du côté de l'Afrique, c'est difficile. Mais peut-être que de votre côté, on peut essayer de trouver. Alors c'est paradoxal, parce que monsieur dit, le savoir, il est là, chez les Blancs, et moi je dis, mais il y a un savoir très important, il est du côté des anciens. Alors, et on se bat comme ça régulièrement, dit monsieur. Ovidio niko anadavia gandalfu niko bangemabe, kanko mobia gandalfu niko bangemerento. Alors, il faudrait peut-être qu'on se mette d'accord sur le fait que les sons, que les deux savoirs, sont les deux, que les deux savoirs sont absolument nécessaires. Ovidio niko gandal tomaeden et gandal tomabefof. Bon, est-ce qu'il y a eu un rêve? Le fait, mais il y a dit. Le fait, mais elle oublie. Les images ne sont pas restées cette fois-ci non plus? Non? Vous n'avez pas rattrapé une image? Elle est souvent venue, il m'a été ouvert. J'ai eu un peu d'air. J'ai eu un peu d'air. J'ai eu un peu dum bari ha bol sulma loya djuguna ndiyam dum do sulma mi hena yasam apare ngartu ma sauf très tôt ce matin en fait elle a rêvé qu'elle était Maya c'est la une grande étendue d'eau la mer quoi et elle a voulu aller se laver le visage et elle a été elle est rentrée dedans jusqu'à la hauteur des genoux elle s'est lavé le visage et puis c'est tout. Et quand elle s'est réveillée qu'est-ce qu'elle a pensé de son rêve nada comme il dit quoi de là Elle a dit qu'elle a eu peur parce qu'elle ne sait pas comment une telle étendue d'eau, quelqu'un pourra la traverser, ni en avion, ni en train. Ah oui, donc c'était un peu inquiétant en fait, comme impression. Oui. Ah, il y avait Dieudonné qui voulait dire quelque chose après le visa, puis il faut... Je vais être bref par rapport au rêve de madame. Je pense que j'essaie de relier ça à une sorte de nostalgie par rapport au pays, de ne pas s'appuyer sur les femmes de sa tranche d'âge et les aînés au pays pour essayer de puiser la force nécessaire en vue de continuer à aider son enfant à s'en sortir. Et je pense que si le village était à côté, madame n'hésiterait pas chaque fois d'y aller, de faire des va-et-vient vers ce village qui est à côté et ici, là où elle est dans son foyer. La difficulté se traduit là par cet étang qui rend impossible la traversée. Et puis, Michel était au pays, il est revenu. Je me demande que peut-être ça se désire à quelque chose comme ça qui se traduit dans le rêve de madame. Viva voulait dire quelque chose. Oui, c'est juste par rapport au chemin. Parce que moi aussi j'avais cette vision de ce chemin pour madame, dans le rêve de madame. Mais ce que je trouvais important, c'est qu'elle le fasse hier soir. Juste avant de venir ici. Ce matin. Ce matin. Et je me suis dit, c'est comme si, dans sa grande solitude, devant cette mère, il y avait un désir qu'on l'accompagne, qu'on soit avec elle. C'est la main de ton père que tu voulais? Oui. Il cherche votre main. Vous avez vu? Le langage d'Idrissa, il cherche votre main. Hein?
Tiens, donne-moi ta main. Ah ouais. Ah. J'allais faire l'intermédiaire, mais ce fut pas nécessaire. Inch'Allah. Inch'Allah. On va s'arrêter pour aujourd'hui. On continue ce chemin. Hein? Bon, allez. L'enfant migrant se retrouve à la croisée des chemins. À quel monde appartient-il? Que peuvent lui transmettre ses parents? Djuma refuse d'aller au collège depuis plusieurs mois et elle a des problèmes avec la justice. Elle déçoit beaucoup son père qui voudrait qu'elle fasse de bonnes études, lui qui n'a pas pu aller à l'école au Mali. Elle fait souffrir sa mère en s'opposant aux traditions africaines. Toute transmission semble impossible. Djuma est paralysée dans ses refus. J'assiste à une séance pendant laquelle apparaissent les liens inconscients qui rattachent Djuma à ses parents. Je comprends que c'est par ce travail-là qu'on peut vraiment aider Djuma. Bon, alors, tu veux pas te déshabiller un petit peu? Non, t'as pas trop chaud? Non. Bon, nous donner des nouvelles par rapport à Djuma ou la famille qui vous ont paru importantes? Il vous passe la parole, je crois, madame. Alors, dites-nous un peu comment ça se passe, là, les choses à la maison avec Djuma, avec vous. Comment vous voyez? Depuis qu'on a quitté ici, comme on a de la dernière fois, Djuma, c'est Djuma. Djuma, c'est Djuma, oui. Mais là, elle a un projet. Si on voit deux fois, je peux dire que oui, elle a progressé tout en cours, elle a chuté. Ouais. Je ne sais pas si c'est un manque de confiance ou je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas. Ce que disait ta mère, du moins, c'était qu'elle pense que tu n'as pas confiance en toi. Mais moi aussi, je pense ça. Est-ce que c'est vrai? Que toi tu ressens comme ça aussi? Ouais. C'est pour ça qu'il faut la porter, l'accompagner, Djuma, parce qu'elle se dit ça, je vais pas réussir. Alors plutôt que de ne pas réussir, Djuma, elle préfère ne pas commencer, quoi. Hein? Rester comme ça. Rester suspendu, hein? Bon, on s'inquiète tous pour Djuma, pour un instant. Peut-être c'est pas inquiet. C'est maintenant. Bon, comme son père disait, bon, à un certain âge, elle peut travailler, d'accord, comme tout le monde. Nous, on n'a jamais fait des études, on arrive à travailler, mais c'est pas ça la question. C'est maintenant. Il va pas à l'école, il fait rien, il est dehors. Pour moi, c'est inquiétant. Mm. Bon, dehors, elle va où? Deux fois, je sais où il est, parfois, non. Sinon, côté travail, tout le monde va travailler un jour ou l'autre, ça c'est pas... Sûrement qu'il va travailler le boulot qu'il n'aime pas, ça c'est sûr. Si on ne fait pas des études, nous on fait des choses que ça ne nous plaît pas. Mais... Bon, je te demande, bon, qu'est-ce qui t'a, Djuma? Bon, rien. Qu'est-ce qui t'a, rien? Bon, comment tu veux que tu peux encourager quelqu'un comme ça? À moyen, on te parle. Tu réponds. Mais non, on te parle, bon, à rien. Mais moi, il faut dire quelque chose.
mais je comprends bien ce que vous dites. Mais avec tout ça, bon, un enfant que tu dis ça, tout ça, mais jusqu'à présent, bon, il n'a rien pris. Bon, comment tu... Non, là, je ne suis pas d'accord. Il n'a pas rien pris. Si, Yuma n'a pas rien pris de ça. Non, mais il n'a rien pris. Il n'a rien pris pour moi. Si. Il n'a rien pris pour moi. Vous ne voyez pas ce qu'elle a pris. Non, mais il n'a rien pris tout à vos autres. François, vous voulez dire quelque chose là-dessus, hein? Mais je pense à la parole d'un poète français qui s'appelait René Char, qui disait « Nous avons un héritage, mais nous n'avons pas de testament. » C'est-à-dire qu'on nous transmet des choses, mais quelquefois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit en faire. Je crois que c'est un peu le problème de Diouma. C'est que je pense qu'elle prend des choses... De son père et de sa mais mère. Mais qu'elle n'a pas... Elle ne sait pas comment faire avec ça. Elle ne sait pas quoi faire. Parce que aussi, ce que monsieur a reçu de son père... D'une certaine manière, c'était simple parce que le monde était toujours le même. Mais Diouma, elle est dans un autre monde. Et donc, elle a du mal à savoir ce qu'elle peut faire de ce que lui transmet ses parents. Je trouve à inventer une manière de transmettre ici, quoi. Enfin, peut pas être la même qu'au pays parce que... Mais en même temps, les choses du pays sont très importantes. Apprendre. Si on demande de faire ça, c'est apprendre. Faire la cuisine. Un jour, je ne suis pas à la maison. Il peut faire la cuisine tout seul. Tu ne sais pas cuisiner, toi? Tu n'as pas appris à cuisiner encore? Apprendre. Oui, justement, apprendre. Le plat facile, oui. Mais certes, notre plat, nous, il ne connaît pas grand-chose. Qu'est-ce qu'elle ne sait pas faire comme plat que vous aimez bien faire? Non, mais notre plat, nous, elle n'arrive pas pour l'instant. C'est quoi le plat dont vous parlez? On prépare on a plusieurs plats à préparer, mais tu sais préparer quoi toi? Le tchèb? Le tchèb? Le tchèb. C'est quoi? C'est avec du poisson? Oui. Ah, c'est ça. Il y a Félicia qui voulait parler depuis longtemps. Je repensais un peu dans ce sens à ce que disait monsieur, qu'il a dit d'une part que Diouma doit faire les choses pour elle-même, et sa maman dit la même chose, et en même temps c'est quand même pour les parents qu'elle doit le faire. Hein. Il y a toujours ces deux choses qui reviennent, ce qui est normal, et qui se mélangent tout le temps. D'une part c'est pour elle, d'une part c'est pour les parents. Et c'est toujours pour préparer quelque chose pour les parents, pour préparer un peu le jour que les parents ne travaillent plus et les jours que les parents ne soient plus là. Et moi, parfois, je me dis, mais si elle ne veut pas faire ces choses, c'est parce qu'elle n'a pas envie que ses parents partent aussi. Hein? Et je pense que c'est un peu ça, hein, de dire, mais je refuse, j'ai besoin de vous. Je suis plus petite que vous croyez, hein, et je ne vous autorise pas encore d'être dans cette génération où moi je suis adulte. Et vous, quand vous étiez adolescente, vous ressentiez des choses comme Diouma? Non. Dans ma jeunesse, j'étais pas heureux parce que j'essayais d'élever ça à mes parents, d'accord, mais je sais pas. Même maintenant, je ne parle pas beaucoup de mon problème aux autres. Ce n'est pas mon cas. C'est parce que j'ai l'habitude de... Peut-être c'est enfermé sur moi-même, si on veut dire. Je ne parle pas beaucoup, non. Un peu comme Diouma, hein, qui elle aussi s'enferme sur elle-même. Ouais, mais en général, pas tout le temps. Mais parce que des fois, vous dites qu'elle parle beaucoup. Oui, mais elle parle, oui, elle parle. Mais ce que j'aime d'abord... Bon. Ce que je me demande, le cas de Diouma, elle ne doit pas être malheureuse. Parce qu'elle a ses parents, elle. Ben oui, elle a ses parents, à mon avis. Il ne manque pas grand-chose, tu manques de rien. Isabelle, tu veux dire quelque chose? Moi, je suis frappée aujourd'hui par la tristesse. À quel point Diouma, elle me semble chargée de tristesse. Et je me disais, il y a la tristesse qui lui appartient à elle, ça c'est certainement... Mais elle est aussi chargée d'une tristesse qui ne lui appartient pas. Elle porte quelque chose qui ne lui appartient pas. Et en écoutant monsieur et madame aujourd'hui, je me disais, oui, je voyais tout le chemin de monsieur, un parcours extrêmement courageux. Et puis Diouma, elle oblige à revenir sur tout ce parcours. Hein.
J'ai l'impression que ça laisse un goût amer à monsieur, un petit peu, hein, qui cherche le sens de tous ces efforts-là. Et puis madame qui dit aussi quelque chose d'important aujourd'hui, qui dit que... qui parle d'une tristesse qui lui appartient à elle, et qui est celle d'avoir grandi sans ses parents. Et je me disais... J'avais l'idée que cette tristesse-là, d'avoir grandi sans ses parents, elle avait dû revenir particulièrement au moment de l'arrivée de Diouma. On va peut-être commencer par cette dernière chose que disait Isabelle. Est-ce qu'elle a bien vu ça? Concernant cette tristesse, et cette tristesse qui est peut-être revenu avec l'arrivée de Diouma. C'est possible, je ne me rappelle pas. Vous ne rappelez pas? C'est possible, mais je ne me rappelle pas que quand il y avait des problèmes dans cette période-là. Ou plus tard, hein, peut-être avec l'adolescence de Diouma, hein, parce que ça peut revenir à différents moments, en fait. Sûrement. Oui, il y avait un moment que... Oui, il y avait un moment dur qui s'était passé. C'est possible que c'est ça qui déclenchait tout, je ne sais rien. Ah non, il ne s'agit pas de déclencher. Mais parce qu'on se dit d'où elle vient toute cette tristesse, quoi. Elle vient de Diouma, des choses qui sont difficiles, des questions. Puis comme on le sait, on porte aussi la tristesse d'autres, parfois de plusieurs générations d'ailleurs. Comme vous, vous avez pu porter celle d'autres. De votre mère, par exemple, je sais pas. Elle est morte quand, votre mère? Je connais pas ma mère. Oui, justement, elle est morte quand? Quand vous aviez quel âge? 6 ans, peut-être, parce que j'ai deux frères, j'ai une sœur. Oui, ça veut dire que j'ai deux derrière moi. Deux derrière. Il doit avoir 6 ans, je ne sais pas. À peu près vers 6 ans. Après la naissance de deux autres enfants, quoi. Hein? Voilà, et elle est morte de quoi? Je ne me rappelais plus. Je ne sais rien. Tout ce que je sais, elle était malade. Tout ce que je sais, c'est tout. Ils étaient malades tous. Avec mon père, il était malade en premier. Après, c'était ma mère. Peu de temps après? Ils sont tous tombés malades ensemble. Mais c'était mon père qui était tombé malade en premier. Après, c'est ma mère. Bon, mon père est décédé, 3 jours après, ma mère est décédée. Mais je ne sais pas c'est la cause de quoi, je ne sais rien. Ah, 3 jours après, oui, c'est la même semaine. Violent, hein? Ils sont partis tous les deux comme ça, et vous avez dû vous sentir profondément abandonné. Hein? Mm-hmm. Et ça, c'est une tristesse très profonde. Hein? Isabelle parlait tout à l'heure du courage de monsieur. Hein. Et évidemment, il y a aussi tout ce courage, tout le vôtre, hein, que il faut survivre et puis grandir. Ouais. Et après avoir des enfants, soi-même. Hein. C'est pas facile. Non. Et après, la vie des enfants nous rappelle aussi ça. Ces moments soi-même, enfant. Hein. On a dû dépasser. Léocadie, tu veux dire quelque chose? Il y a quelque chose qui ressemble à un voile noir et Isabelle a parlé de deuil. Et je me suis demandé qui a porté le deuil de la maman et du papa de madame, parce qu'il y a une très forte émotion. Et je crois que le problème de Diouma, c'est ça en fait. Ce qu'elle a emmagasiné, parce que moi je vois quelque chose qu'elle a emmagasiné, mais une montagne de choses. Et je me disais que tout ça, ça fait penser à quelque chose qui tourne, qui va, et qui passe par elle. Mais la personne qui est là pour faire signe dans la famille.
et que un jour va arriver, madame va découvrir que sa femme sait faire le tchèp merveilleusement bien. Sa quoi. Fille. Ça dit sa femme. Ah, les choses se mélangent. Les choses se mélangent. Les choses se mélangent. C'est comme si les choses se mélangeaient aussi à l'intérieur de la maison. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que c'est très profond ce qu'elle dit, Léocadie. Hein, que Yuma, elle porte comme ça le deuil. Et qu'il y a effectivement, je pense qu'il y a des émotions comme ça, très fortes, comme celles qu'on a vécues tout à l'heure, en fait, qui sont des émotions qui rendent le fait d'apprendre, par exemple, difficile, quoi. Il faut déjà sortir ses émotions, il faut déjà les partager, reconnaître ça, pour ensuite qu'il reste un peu de place pour apprendre et pour... Mais vous avez vu ce qu'elle dit, Léocadie, elle dit qu'un jour vous allez découvrir que Diouma, elle sait le faire, le tièbe. Ça, on pourra le vérifier, hein, madame. Ça, on pourra... C'est possible, hein.